Bonjour à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 1er décembre 2023. Voilà, nous commençons le mois de décembre. Mais on termine ce mois et cette semaine avec le Tarot Visio Quest et l'oracle de l'évolution. À partir de la semaine prochaine, ça sera autre chose. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé une carte majeure, la balance. Alors, la balance, ça correspond à l'équilibre et à la justice, n'est-ce pas? Et l'essence, eh bien, de cette carte, c'est la perception intérieure. C'est l'équilibre intérieur, c'est ne pas faire de choix, c'est attendre, prendre consciemment de la distance par rapport à certaines choses, des changements, des transformations, mais pas que, reconnaître les illusions, arrêter complètement. Si maintenant j'ai épuisé, si j'ai cette carte aujourd'hui, eh bien, pour certains d'entre vous, c'est le signe que vous avez besoin intérieurement de prendre vos distances par rapport à tout, n'est-ce pas? Il y a des moments où nous nous trouvons au-dessus de nos forces et où nous avons besoin de calme intérieur. C'est le cas pour certains d'entre vous. On vous invite à retrouver votre balance et sentir de nouveau, eh bien, votre équilibre intérieur, qui sont actuellement vos tâches les plus importantes, n'est-ce pas? Alors, vous devez passer du faire au rien faire. Ne vous faites pas de soucis. Ne rien faire et lâcher prise de façon consciente, eh bien, c'est la clé de toute sagesse, n'est-ce pas? Ce n'est que dans le délaissement total que vous reconnaissez le réel et l'irréel de toute chose. Dans le délaissement physique et psychique, les schémas de votre passé et les solutions à vos problèmes vous seront conscients. Conscients d'une façon naturelle. Pourquoi? Parce que là, vous ne faites rien. Vous avez le temps de réfléchir. Et dans cet état, vous retrouvez votre balance intérieure et votre équilibre naturel. C'est une période où vous devez vous reposer physiquement et psychologiquement. La manifestation extérieure de cette carte, eh bien, elle vous dit que pour certains d'entre vous, le moment n'est pas idéal pour commencer quelque chose de nouveau. Le moment est venu de dresser un bilan. Si vous voulez voir plus clair, vous devez garder le calme et regarder à l'intérieur de vous-même. Dès que vous serez plus calme dans votre intérieur, eh bien vos activités extérieures se réduiront d'elles-mêmes.
Vous aurez ainsi, eh bien, plus d'énergie à votre disposition et ça vous permettra de mieux comprendre pourquoi certaines choses se sont développées sous une certaine forme. Alors, quel est le mot d'ordre pour aujourd'hui? Il est très favorable maintenant d'attendre et d'être patient avec vous-même. La patience est une qualité. L'impatience est une distorsion. Donc, travaillez cette impatience. C'est une très belle carte pour terminer, malgré que, voilà, on vous demande de ne rien faire, mais c'est pour un mieux par après. Pesez bien le pour et le contre. Faites premier, voilà, ne faites plus rien, physiquement, psychologiquement. Mettez votre petit cerveau au repos. Et puis, voilà, tout viendra dans un sens à l'heure que ça voudra bien venir et vous peserez bien le pour et le contre dans cette balance, ce qui est plus dans le plus et ce qui est dans le moins. Et vous verrez ainsi, eh bien, les poids, de quel côté, eh bien, ça va être positif, n'est-ce pas? Et je termine avec le petit oracle de l'évolution. Le pouvoir du présent est la respiration, le pouvoir du futur est la motivation, le pouvoir du passé est la force. Et ça, je l'ai déjà dit cette semaine. Je me suis trompée de carte, donc voilà, je tire une autre carte. Pourquoi aller de l'avant? Ne vois-tu pas que c'est d'une pause dont tu as besoin? Respiration et détente sont au rendez-vous. Ben écoutez, quelle belle synchronicité avec la balance. La balance vous dit de rien faire. Et puis ici, ben, vous avez besoin d'une pause. Donc écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure. C'est tellement important, n'est-ce pas? Eh bien voilà, on termine le mois et je suis ravie que la semaine prochaine, on va commencer le mois de décembre, parce que pour moi, le mois de décembre, c'est le mois de la magie, des fêtes, des anges, du Père Noël, voilà, j'aime, ça c'est mon enfant intérieur qui parle. Voilà, j'espère que vous êtes comme moi, n'est-ce pas? Voilà, et puis bon, je vous souhaite une excellente journée et puis, un excellent week-end surtout. Et on se retrouve dans une prochaine capsule. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Soyez dans le rire, dans la bienveillance, dans la joie. Je sais ce que nous vivons à l'heure actuelle dans le monde entier, c'est pas rose. Mais ayez les pensées positives et joyeuses. Chaque personne a son chemin, son karma. Vous avez le vôtre et moi j'ai le mien. Et malgré ce qui se passe, je suis dans la compassion de tout ce que nous vivons dans ces guerres. Je suis dans la compassion de toutes ces personnes, de tous ces enfants. Enfin voilà. Allez, soyez dans la joie, la bonne humeur avec les vôtres. Et puis pour vous-même aussi, c'est très important. Je vous embrasse. Allez, portez-vous bien. À très vite.